Bonjour à toutes, bonjour à tous, moi c'est Rafa. Aujourd'hui on fait une recette qui change des saucisses au barbecue avec des aiguillettes de canard à l'ananas et au pruneau. Si vous en avez marre de toujours faire les mêmes recettes au barbecue, je vous donne rendez-vous le 18, 19 et 20 mars 2022 au Paris Event Center Paris Porte de la Villette pour venir découvrir plein de façons de faire du barbecue différemment. Aujourd'hui, une recette très simple, des aiguillettes de canard, une petite marinade, on les entoure de manière un peu stylée, sur le grill directement, basse température et vous allez régaler vos convives. Allez, on passe tout de suite à la liste des ingrédients. Le canard, c'est un peu comme le porc, ça va hyper bien avec les fruits. Donc moi j'ai de l'ananas et également des pruneaux. Mais on va commencer par les faire mariner. On va prendre du coup un récipient pour venir mettre ici les aiguillettes de canard. On va pouvoir mettre de la sauce barbecue. Là, c'est une sauce barbecue faite maison, donc assez généreusement comme ça. Avec un petit peu de whisky. Alors là, vous mettez ce que vous souhaitez comme type d'alcool, assez fort. Et ensuite, vous prenez de la sauce soja ou de la sauce anglaise, Worcestershire, comme ça. Faites attention à pas trop saler, hein. C'est déjà largement suffisant. On mélange le tout et là, c'est parti pour environ 6 à 8 heures directement au frigo. Ça sent vraiment, vraiment bon pour laisser mariner le tout. On va faire des ronds avec l'ananas, comme ça, tout doucement. Mais je vous ai dit que si vous le souhaitez, vous pouvez prendre des pruneaux, comme ça. Nous allons pouvoir nous occuper du montage des brochettes. Donc pour ça, je vais prendre ici un petit pruneau. J'entoure ça directement de l'aiguillette et je le mets en brochette. Comme ça. Je vais en faire 3 environ par brochette. Et voilà pour la première. Pareil avec les petits morceaux d'ananas. Excellent. Et pour la cuisson sur un barbecue bien chaud à environ 200 degrés, je vais pouvoir mettre les petites brochettes comme ça, donc en cuisson directe, ça veut dire au-dessus des braises directement. Et on va pouvoir faire une cuisson d'environ 5 minutes par côté. Et au bout des 5 minutes, on va pouvoir retourner nos petites brochettes. Voilà, parfait, ça prend une belle couleur. Et voilà, je sors mes petites brochettes du barbecue. Regardez-moi ça, comment ça a l'air d'être super appétissant avec ce rond et le fruit au milieu ou le pruneau sur cette version-là. On va se régaler. On va goûter ce petit morceau d'aiguillette de canard juste ici. Ah, je suis content, on ressent bien le goût de l'alcool. Ça va super bien avec la sauce barbecue. Ben voilà, c'est vraiment très simple de faire une recette qui change des saucisses au barbecue. Et si tu veux toujours plus de masterclass, de cooking show, de voir tout ce que l'on peut faire sur le barbecue, tous les types de barbecue, à gaz, à pellet, offset, kamado, etc., viens directement au salon du barbecue, Barbecue Expo, au Paris Event Center, Paris Porte de la Villette, 18, 19 et 20 mars 2022. Je t'attends là-bas, ciao!